Salut à tous! On se tourne aujourd'hui sur la démo de Dead Pressing. Je vous avais montré ça dans un live du vendredi. Ça avait l'air d'être un peu un style GTA. Avec plus de blabla, on va jouer au jeu. Écoutez, alors je sais pas combien de temps va durer la démo. Je crois qu'on joue le rôle d'un jeune policier. Voilà, alors écoutez, c'est écrit pré-alpha, travail en progrès, donc le jeu pourrait être très différent. Welcome to Avernos. Bienvenue à Averno. La ville a l'air d'être paisible d'ici, mais crois-moi, elle est pourrie jusqu'au trognon. Et je crois qu'on débute le un jeune policier dans les années 80. Voilà, prêté serment de protéger la ville et ses citoyens. There's bad guys and there's good guys and then there's us, all balancing on a knife edge. Ça a l'air beau, j'ai mis en ultra. But it's a fight we're losing. On va s'occuper des voyous et des ordures. Regardez les voitures de police. C'est un peu le style des voitures de New York dans les années 90. Tout 80 d'ailleurs. Voyez où le commissariat. Alors, en fait, on dirait que c'est le Bronx. Hein. Allez, si je vais voir, ça c'est la banque. L'hôtel de passe. La boîte de nuit, apparemment, le bar. Et je pense que ça va être assez pilé, notre poste de police. Ah, une mission de police en bas. Voilà, il y a le commissariat. Les malheureux ont une flèche et un plaque. C'est ça, The Precinct. Le district, je crois que ça veut dire. And they remain at large. Chandler, Sayers, alors, Chandler, Sayers, vous surveillerez le centre-ville. Ouvrez grand les yeux si tu ne plaisantes pas. Oh, qui c'est elle? I know you're dying to get out there. Can't wait. But before you all charge into the blue, I want to introduce you to our newest tender. Ah, c'est moi, le nouvel agneau. Fresh out of the academy. Bah, where's Bo Peep when you need her? Yeah, I could tell you where she was last night. This officer graduated from the academy. Ah, wow, j'ai les honneurs, je suis premier de la classe. Bon, je crois pas que ce soit style police academy. Voilà, il y a quand même beaucoup de textes, hein, je vais zapper. Regardez, c'est le commissariat. Donc on peut sprinter. Guess we better earn our paychecks. On peut parler. Faut que je suive le chef. Ah non, mais c'était le chef qui est suivant. Bah, désolé, chef. Du coup, on peut voir le commissariat vite dessus. Bon, ça travaille pas trop ici. Hein. Il faut aller là-bas, voilà. Ah, là, il y a la prison. Enfin, les cellules. Salut, toi. On t'a piégé. Et toi, t'es innocent. Ah, je peux tourner la caméra. Vous verrez ça avec mon avocat. Et il y a les WC. Ah, voyez les petits coins. Je vois qu'il y a l'hélipad. Mais nous, on va aller là-bas. Regardez, c'est comme dans Terminator. I'll be back. Bon, allez. Il faut que je sorte. Bah, il faut que je sorte ici. Je vais prendre une voiture de police, peut-être. On va voir ce que donne ce jeu. Bienvenue dans le département de police d'Averno, gamin. Voilà, on va aller manger. Et puis conduis, parce que c'est notre petit jeune. My hip's been acting. Oh, and don't worry about the fellas. They like to act tough, but that's just. D'accord. La voiture de police est là-bas. Ouais, c'est bien, on peut tourner ça. Est-ce que je pourrais mettre deux gyrophares? Où sont les commandes? Activez la sirène. Freiner, accélérer, diriger. Frein à main, descente du véhicule, ok. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to stress the paint job on your first day. Allumez, je referme, pas je rien, d'accord. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Ah voilà. Eh, c'est pas mal graphiquement. Oh, tu laisses passer, c'est la police. Voilà, ça commence bien, écoutez. Il faut conduire jusqu'au stand de hot dog. Merde. Faut que je regarde mon GPS, voilà, on va aller là-bas. J'ai pas le droit de mettre la sirène pour l'instant.
Alors le fameux, c'était où ils ont dit. Mais la conduite, c'est souple. Et regardez, je traîne un lampadaire avec moi. C'est assez souple la conduite. Voilà, c'est débarrassé du lampadaire. Et c'est la police. Ouais, je freine un peu sec. Il faut se garer là-dedans. En fait, on dirait une voiture tuning plus qu'une voiture de police. Allez, on va se sustenter. Donc la barre bleue, c'est la part de puissance qu'on court. Ah, une bonne saucisse. En plus, c'est Kelly qui dit ça. Mais c'est un mec, Kelly. La totale. Ouais, je suis pas végétarien, moi. Allez, Farid. Voilà, Léo, mon ami. C'est pour toi. Tiens. Il y a un peu des clichés dans ce jeu, quand même. Ah, of course you do. We came up to the academy together. Ok. Ah, ça y est, voilà ma armée. Bank robbery in progress. Mercer ACB Bank on Mercer Street. Shots fired. Ah, Christ. Des coups de feu, des coups de feu. Another beautiful moment ruined. Oh, regardez ça, il a glissé à la Starkey Hutch. That's what they're paying us for, right? Voilà, on peut mettre la sirène, c'est bien ça. Central, this is Unit 84, responding code 3. Alors. Ok, kid. Allez, c'est la police. Où est-ce que je dois aller là-bas? Par en mission. Ah ouais, il se pousse, regardez. Ouh, bah l'autre s'est planté. Voilà. J'ai la voiture 84, dis donc. Comme le Vaucluse. Bon numéro, ça. Pourquoi il y a une barre de police? Ah, mais il y a des policiers déjà. Viser, tirer, recharger. Se mettre à couvert, d'accord. Ouais, on se met à couvert. Là, je vais pouvoir viser et après, je pourrais tirer. Bon, je dois aller ici en fait. Now remember, they get one warning. If they don't throw ok, down, je me prépare à tirer. We take them down. Get ready. Police, freeze. Force mortelle. Oh, mais attendez, faut que je mette à couvert. Moi en fait, je suis plus à couvert quand je tire. Je me rappelle GTA 5 quand j'ai joué pour la fois GTA 5. J'étais mort au début du jeu. Il faut recharger. Ah, c'est pas ça que je fais. C'est ici recharger. Ok, mets-toi à l'abri. Pam pam pam. Je recharge. Ah, il fallait au coffre. Arrest him. C'est bon, on les a arrêtés. Attendez, Y. Take it easy. Voilà, pour chercher. Je peux prendre un taser. Par contre, je vois pas les munitions. Ah, mais c'est mon entraînement, c'est pour ça, ok. Wake up, on va les arrêter. Suspects to arrest. Allez, tu vas à l'état d'arrestation, hey, je te mets les menottes. Hop là. Apparemment, on a un radar sur la touche X. Toi aussi. Sinon, je te troue comme tes collègues. Voilà, ici Bree Bookman en direct de l'hélicoptère d'ACTV. On s'en va à Laverno, mais pas les infos. Et voici au centre-ville où des policiers se sont retrouvés dans un échange de tirs. Ça fait penser un peu au Robocop, mais vu par-dessus. Ah, mais il s'enfuit! Oh my goodness! Keep it tuned to ACTV, folks. Looks like we're in for a police pursuit. Allez, on monte dans la voiture. Suspect vehicle identified in Mercer Heights. Faut que je me rapproche. Oula! Merde! Look out! J'ai écrasé la... Et toi? Suspect last spotted at Mercer Heights. Bah, il va pas faire tout le tour de la ville, lui.
Alors appeler des renforts comme ça, ça fait sentir. D'accord, c'est RB. Faut pas écraser de gens, hein. Si, il faut demander de l'assistance. D'accord. Là, il est là, il tire. Comment je prends mon arme? Parce que je peux pas... Ah ouais, j'ai une mission de police qui arrive en force. Pousse-toi, toi. Force mortelle, donc il faut juste force à s'arrêter et après avoir tiré dessus. Viens ici, toi. Oulala, oh, j'ai encore écrasé un piéton. On dirait qu'on s'appelle arme fatale. On fait plus de dégâts que ce qu'on va résoudre comme problème. Ouais, je peux pas tirer quand je suis en voiture, par contre, dans l'intérieur, on peut. Oulala. J'espère qu'il n'y a pas une jauge de qualité de la voiture. On va demander assistance à l'hélicoptère. Ah, on va demander une herse. Allez, mettez la herse. Pampan, alors par contre, ouais, je sais pas qui c'est qui a titré ça avec Pampan. C'est bon, ils ont passé la herse, moi aussi d'ailleurs. Ah, mais non, je peux tirer. J'avais pas vu que je pouvais tirer, il fallait plusieurs boutons pour tirer. Du coup, il y a une mise automatique. Ah, d'accord, c'est ça en fait. Ah oui, désolé, je découvre le jeu. Hein. Quand on est assez près, on peut tirer. Voilà. Tout ça, piéton. Allez. On va faire tout le tour de la ville depuis tout à l'heure. Je me rapproche. C'est bon. Alors, toujours donner l'opportunité à un suspect de se rendre sans faire de vagues. D'accord, sommation orale. Oh, mais dis donc, c'est quoi ça? Moi, je vais taper dans le tas, quoi. Hey, you! Central, suspect is in handcuffs. Central, 84 to Central. Et oui, il a défoncé sa voiture, là, mais dis donc. Voiture numéro 17, en plus. You did good, kid. Ouais, tu devrais bien sentir. Ouais, la voiture de police, elle a plus de pneus. Elle a plus de capot. Il faut entendre au commissariat. Non, parce que je... Ah, c'est comme ça qu'il fallait. Parce que je vais pas dire, ma voiture là. Elle a plus de tes états quand même. Escorter les suspects. Allez, faire un KI. Oula, j'ai oublié KI. On va se garer là. Voilà. Graphiquement, c'est pas mal, hein, je trouve. Faut aller où? Faut aller au commissariat. Du coup, on va couper peut-être la sirène. Voilà, c'est le bouton. Ouais, la voiture, chef, premier jour. Et comment dirais-je? Elle est un peu déglinguée. Hein. Ça roule. C'est Police Academy, en fait. Oups. Il arrive, chef. Il pleut. Allez. Il y a un petit bruit dans le moteur. Hein. Allez, à la police. Tut-tut. Faites sortir les suspects du véhicule, d'accord. Allez, au trou. Viens avec moi, toi. Tu vas aller au cachot. Et du coup, on le laisse entrer avec son sac plein d'argent. Mais ah ouais, il perd des billets en plus. Allez, chef, arrêtez-le. Tueur de flics. Il y a le Robocop. On a arrêté James Warren. Refus d'obtempérer. Droit à lui, si.
C'est moi, c'est Nick Cordell. Come on, Cordell, there's someone I want you to meet. Escorter le... Ouais, le mec. On va aller à prison. C'est par là. Voilà, direct. Ouvrez la porte. Et reste ici, toi. Et nous, on garde l'argent. Eh ouais. Ce quart n'en finira jamais. Est-ce que j'ai de la paperasse à faire? Ah, ça, c'est celle des archives. Mean Gene. Alors, major malfunction. Est-ce que tu as pareillé la voiture? Mais non, chef. Filed evidence, sloppy dockets, illegible handwriting, contaminated evidence. I'm surprised some of your friends here made it out of grade school. Cordell. Ok, ouais, il y a beaucoup de blabla quand même. Evidence guy. Eugene Papadopoulos at your service. Did Kelly try the old? Ah oui, bien sûr qu'il m'a fait le coup de ça, je me fais mal. Thought so. He doesn't tend to lift a finger. Pour l'instant, je pense que c'est le tuto, donc on est guidé. Après, dans le jeu, normalement, on pourra jouer librement. Limitations. Anyway. You're a bitch, Gene. Never wasn't planning on it. All right, Gene. Beaucoup de blabla. But that won't mean a fart. No. Après, comme je vous dis au début, c'était écrit voilà que le jeu pourra changer d'ici la version finale. Mettre fin au quart. On a fini le travail. Alors, ma voiture a dû être réparée. Une nouvelle journée va commencer au poste de police. Ah, le briefing. Morning, Cordell. Tidy work yesterday. Continue comme ça. Up and you'll be leaving Kelly in the... Love you too, Kowalski. Ça va, il m'a rien dit pour la voiture. I know we dropped you right into the... What she means to say is that parking tickets are how the city... Ah, on va lui mettre des prunes aux voitures qui sont mal garées. No, that isn't true. This city hasn't paid its bills in years. Voilà. Regardless, on va faire une patrouille pédestre. Check your handbook for the violations to look out for. Il faut voir le manuel. Ça, c'est la carte. Non, c'était l'autre truc. Manuel de police. Bon. On va voir ça. Wanna go catch some bad guys? Et c'est mon uniforme, ça, oui. Je vais mettre des amendes. Alors, 6 types d'infractions. Devant une bouche à incendie, à contresens, trop près d'un passage piéton, sur le trottoir. Une zone interdite de stationner. Ok. Je suis marié par Vanche. Ah, regardez, ils ont réparé la voiture. Hop là. Hop là. There are six different parking violations to look for. Bon, regardez s'ils sont... Ah bah lui, regardez, il est devant une bouche d'incendie. Too close to a crossing, or on the sidewalk. Hold it. Oh, and of course, parking in the no parking zone. Alors comment est-ce qu'on va don't forget expired parking meters. Allez, là, il y a une voiture, chef. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. Voilà, infraction. Alors, c'est où? Devant une bouche d'incendie. Ouais, c'est plus du GTA, là, c'est du GTA, là. The handbook shows all the violation types. Come on, parfait. Let's check some parking meters. Quelques parcs-mètres? People are allowed to use parking bays until the meter expires. When you inspect the meter, 0 minutes remaining means it has expired. It's worth checking the meters at bays that are in use. Bon. There's a lot of people who don't like bon. To pay their dues these days. Toi, c'est bon. Toi, c'est pas bon. Is it expired? Give him a ticket. Infraction au stationnement. Parcmètre écoulé. Hey, you're getting the hang of this ticketing. Bon, on va se faire les 6 infractions, je sens. Pardon, c'est la police. Take it easy. Voilà, du calme. Il nous manque le passage piéton. Ah, lui, là-bas, il est garé sur le trottoir. Je le vois à 3 km. Ah, il est épicier. Allez. Bon, je peux rien faire tant qu'il n'y a pas mon chef, il veut pas courir. Will you look at this? Write him up. Une amende. Alors, sur le trottoir. You're a natural. Et après, je pense qu'on sera libre, enfin, dans le jeu, hein, parce que là, je sais pas si on est libre. Ah, j'ai pas le droit de faire une palpation de sécurité. Et vous, mon chef? Un vandale! Ok. Oh, il fait des graffitis! Take it easy.
Halte où je tire. You're under arrest. Ouais, policier américain. En fait, en général, il tire et après il pose la question. Ben, on peut que résoudre. Mettre une amende. Excellent. That handbook will help you stick to the rules. Il n'y a pas un mec comme ça dans le jeu Robocop. Au début, on a mis une amende dans la démo. Tu vas être en retard, t'es capable de faire des graffitis. Any more spray can bandits nearby. Bonjour, madame. Wait there. La force de l'uniforme. Ah ouais, je peux tirer. On va éviter de tirer sur notre chef. Hein. Ouais, c'est dommage qu'on doit faire le tuto, mais je pense que c'est parce que c'est la démo. Est-ce qu'il y a encore un mec qui fait... Oui, là-bas, il y en a un. Wait there. Oula, il tape. Parer la matraque, attaquer, d'accord. Ah oui, il faut se donner la matraque. Get your baton out, partner. You. Stop there. Respecte mon autorité. You aren't authorized to use that much force. Après, ça va pas marcher. Tiens, voilà. On se met bien devant. Tiens, prends ça. Tiens, derrière ça. Mais j'ai pas de flingue. Oh merde! J'ai trop tapé! Control 1039 in progress. Faut recommencer. Get your baton out, scumbag. Oh, mais. Viens ici. Et attends, il fait ça devant le poste de police quand même, je vous signale. Le poste de police est juste là. You stop there. Arrête-toi, c'est moi que tu regardes. Whoa, got a wild one here. Try to restrain him. Voilà, on va essayer de me noter. Bon, c'est peu spécial le combat. Wait there. Allez, je me trompe de touche. Regardez, le poste de police est juste en face. Résoudre. Oh, toi, tu vas aller dans le trou. Hein. Arrêtez le suspect, disons, toi, tu m'as tapé. Quoi. Appelle l'unité d'escorte. Voilà. Et où le salade, le panier à salade? On va arriver là. Let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Il est là. Venez l'arrêter. Ils sont pas rapides. Central, be advised of property vandalism in our vicinity. Ok. Je vous avoue que je voyais plus ça moi comme un GTA. Là, c'est plus lent. C'est un petit peu un policier simulator. Il est là. Et j'ai pas rentré mon bâton par contre. All right, that's enough. Et là, regardez, il y a encore le commissariat. Don't make it worse for yourself. Take it easy. Allez. Ah, il faut lire les droits, j'ai pas lu les droits. You're just gonna leave him there like that? Allez, hop, on t'arrête aussi. Might as well escort this brain box ourselves. Quit struggling. Ok. Pour entrer par là? C'est bien, il est venu devant le commissariat. Allez. Oh, c'est qu'est-ce tout blanc, on dirait Basic Instinct, regardez les jambes. Bon, je dois amener où? À l'accueil. Ah, c'est là-bas l'accueil, viens ici toi. Attention à pas te prendre le mur, hop là. Par où je passe? Je vais passer de côté, viens ici. Allez. C'est original. Voilà, c'est pas tellement du GTA, contrairement à ce que je pensais. Après, il y a une petite patte graphique que j'aime bien. Henry Henriquez. Bah, y a pas la coiffure, ça. Le personnage.
Ah, j'ai pas lu les droits, oh là là, ils vont tous se faire libérer. Allez, mettre fin au quart. Fini journée. Hop là. Et une nouvelle journée commence dans cette ville, vampirisée par le crime. Faire un rapport au chef. Ok, chef, j'arrive. Ouais, il a un beau bureau, le chef. Hein. C'est ça qui est le chef. We're going to need to keep this quiet. Qu'est-ce qui se passe? Even here in the shop. Got it. Ah, Cordell, come in. I want you to meet the detective Lee Ferrara. Our top investigators working. Il me dit pas que Lee c'est pour le chinois. Heard about your baptism by fire. C'est ça, c'est pour le chinois, Lee. Yeah, log 200 more like that, and you'll be. Okay. Oh no, look at him. I think he's got it in his. It's good to meet you, Cordell. That'll be all. So, Cordell, it seems your work at the bank the other day. Là, ils ont découvert une empreinte sur une des armes. Hey, Mr. Michael McKenzie. Un manoir dans de la ville. Allez. In a mansion on the north side. On va y aller. Excuse me, sir. Bird is fueled, ready for wheels up and two. Ah, poursuit un hélicoptère. Je pense que c'est la fin de la démo. J'ai vu beaucoup de gens qui ont fait la démo qui finissait avec l'hélicoptère. It's the right time for you to obey orders. C'est tonnerre de feu. See up top, Cordell. We gotta move. I authorized you on this mission because I was impressed. Ok, mon chef, tu m'as saoulé. At the bank, Cordell. Hop là. Allez, l'héliport, on arrive vite tout à l'heure. Par là-bas. Eh mais regardez, il est en cellule avec son sac d'argent, lui. Non mais dis donc, le sac, il faut le donner, là, toi. Ça te permettra, quoi. Je peux pas le taper en prison. Allez, on va prendre l'hélico. Ouh, ça lag un peu. En même temps, j'ai mis sur ultra. C'est moi qui pilote, mais je sais tout faire. Monter, descendre, avancer, virer. Ah. LT plus rare, projecteur, ok. D'accord, et on avait dit quoi? C'était le projecteur, non? Ah voilà, je peux manipuler le projecteur. Diriger le projecteur sur la voiture de sport. On va y aller. Salut, voiture de sport là-bas. Voilà, attendez, je suis en train de descendre. Ah, c'est bien ça, une merde. Il sent bon. C'est bon, on arrive. C'est la voiture de sport. J'ai pas de voiture de sport, ouais. Là, le pont est fermé, comme un GTA. Est-ce que c'est toi? Allez, là-bas, la voiture. Oh là là! Alors, attends, je suis pas au bon endroit. Voilà, la voiture s'en va par là-bas. Allez, là! Je l'ai! Maintenez le projecteur pour savoir des jetons d'assistance. Quand j'en ai assez, je pourrais appeler la police. Enfin, la police, mes collègues. Ok. Je veux plus rien là. Il est où? Il est là. Ouais, on fait du vol arrière. N'empêche que c'est bien fait l'effet de. Il est où? Il fait demi-tour? Ah, il fait demi-tour, le bâtard. Bon, est-ce que je peux appeler quelqu'un? Voiture de renfort. Voilà. Allez, je vais pas mettre à la herse. Allez, la voiture. Ah bah attendez, il roule aussi bien que moi, allez. Il a défoncé des gens, quoi. Excellente poursuite. Bon, est-ce que je peux mettre la herse? Mettez la herse. Comme dans Need for Speed. Ah, c'est le garage. Ah, bah voilà, regarde, il y a Mierce.
Ok. Mais il va se rater devant le commissariat? Quelle drôle de ville. Tous les suspects vont devant le commissariat. Et t'en vas pas. Bon, il faut encore que j'appelle du renfort, je pense. Faut qu'on anti-émeute, je peux pas. Ouais, il est écrasé quelqu'un, le policier. D'accord, on peut appeler sans ce sol. Mais si, ouais, c'est dans ce sol. Je sais pas, mais j'ai mon moteur qui fume. Bon, allez, c'est bon, il va s'arrêter là. Et voilà. Je préférais la poursuite en voiture, moi, quand même. Alors, retourne au commissariat. Oula, attention, pas rentrer dans le bâtiment. Ah, bah, j'ai toujours le bâtiment. Ici, tonnerre de feu. Allez, on va se poser. Ok. Alors, comment est-ce qu'on descend, voilà. Pas mal le bleu, pas mal du tout. Et voilà, bah écoutez les amis, c'est la démo, ouais. C'est joli. À voir ce que ça donnera dans le jeu. Après, c'est pas tellement du GTA, vous avez vu, c'était un petit peu lent. Hein. Bah là, par contre, j'ai bien aimé conduire la voiture de police avec des gyrophares. Les missions de PV, c'était un petit peu chiant. Et puis le... Attends, on va relancer le jeu. Voilà, j'ai remis du début pour qu'on puisse discuter avec un petit peu de fond. On va reprendre la voiture de police, faire un peu n'importe quoi. Je peux peut-être prendre notre voiture, en fait. C'est original. À voir ce que donnera le jeu. Ouais, bon, je vous connais tous les deux. Est-ce qu'on peut voler des voitures? Enfin, je suis policier en même temps. Mais ouais, il y a plein de trucs qu'on peut pas encore faire. Briser la vitre. Vous voyez, on peut pas le faire pendant l'entraînement. Voilà, je vous dis, graphiquement, c'est joli. La voiture, par contre, était assez souple. Quand on a conduit. On va la reprendre un petit peu. Bon, après, là, le jeu est en ultra sur une RTX. I bet you learn all kinds of fancy driving at the academy, but for now, let's just take it slow and steady. Don't want to scratch the paint job on your first day. Swing by the hot dog stand in Chinatown. There's a parking bay there. Ouais, voilà, non, c'est beau graphiquement. À voir, je vous dis ce que donnera le jeu, écoutez. Hein. Bah, dites-moi vous ce que vous en pensez. Voilà, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, vous voyez, là, je fais un peu où je veux. Mais voilà, on était obligé d'aller faire des arrestations. Et pour moi, j'ai vu qu'on peut écraser les gens. On va écraser quelqu'un. Oh, c'est quoi ça? C'est pas par là, merci, je sais que c'est pas par là. Donc quoi, écoutez les amis, je vous mettrai le lien vers où télécharger la démo, il y en a à peu près pour une demi-heure de jeu. Et vous êtes très guidés. Laissez vos questions, vos avis, ce que vous pensez de ce jeu. Et moi je vous dis à bientôt pour des vidéos. Ciao tout le monde.